Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes mardi, il est 18h. Bienvenue dans votre moment geek hebdomadaire. Ce soir, Emilien, qu'allons-nous faire? Raconte-moi. Alors, je vais présenter un truc que j'utilise depuis quelque temps. Ouais. C'est un outil libre pour pouvoir faire des formulaires. Donc éviter tout ce qui est les Google Forms et compagnie. Donc voilà. Du coup, ça s'appelle YakForm. Comme YakForms. l'animal. Ouais, oui. Avec Magnifique, une très magnifique. belle photo de Franchement, la Yak. photo est parfaite, effectivement. Comment t'es tombé là-dessus? Alors en gros, c'était sur dégooglisons Internet. Ouais. Bon, il y a pas mal de services qui ont sauté depuis, mais je l'avais découvert à partir de là. Et typiquement, en fait, bon, j'en ai essayé beaucoup de dégooglisons Internet, mais je trouve celui-là, il est très efficace, voire même plus que ce que j'ai déjà testé en termes de possibilités de programmation du formulaire, etc. C'est vraiment un truc assez incroyable. D'accord, donc tu parles de dégooglisons, le Internet, l'initiative de l'association Framaform, où l'objectif était de, à chaque service phare fourni par une entreprise qui ferme les sources de son service, donc Google, Dropbox, qu'est-ce qu'on peut avoir en tête, Doodle, etc. Ils proposaient une alternative libre que eux-mêmes hébergeaient. Et ce truc-là, ça a donné les Frama, Framadate, Framacalc, Framaforms, etc., etc. Alors du coup, donc quand on va, alors je suis déjà d'ailleurs, quand on va dans le petit onglet explorer de leur Ouais. site, ils montrent les différentes instances qu'on peut trouver sur le web pour pouvoir l'utiliser. Donc il y a Framaform en premier. Ouais. Il y en a quelques-uns d'autres. D'ailleurs, je vois qu'il y en a un qui est payant. D'accord, oui, parce que effectivement, c'est un logiciel libre, mais eux-mêmes ne fournissent pas de service, et pour éviter à toutes et à tous d'avoir à le mettre en place chez soi, il y a des fournisseurs, dont Framasoft en est encore un, avec Framforms. Ok. C'est ça. Ok, super. Donc Donc ça voilà. permet à tout le monde de s'en servir. Ça, c'est top. Du coup, sur Framaform, bon, faut se créer un compte pour pouvoir créer un formulaire. Alors, donc on arrive sur un truc qui ressemble à ça. C'est la base du formulaire, c'est-à-dire le titre, la description, si on veut une petite image de présentation, ce genre de choses. Donc, Ouais. pour le coup, quelque chose qui va pas mal ressembler en termes de fonctionnalité à ce qu'on va avoir sur Google Form. Et ça va se présenter comme ça. Donc on va avoir des petites descriptions comme ça pour décrire un petit peu le sujet du truc. Et après, on va avoir les différents éléments du formulaire qui vont apparaître. Donc je vais présenter un peu tous les différents types. Mais grosso modo, on va avoir des lignes de texte à remplir. Ouais. On va avoir des petits boutons. Alors on appelle ça les boutons radio, c'est ça? Des boutons radio, ouais, un seul Voilà. choix parmi l'ensemble des choix possibles. On va avoir des petits formulaires de ce type-là. Alors là, ils ont déjà prévu toute la mise en page pour un jour, pour Ouais, l'écrire pour un les jour. dates, ouais. Ensuite, les textes, donc texte un peu grand. Ouais. Après, des petits menus déroulants. Voilà, on peut importer des fichiers qui sont hébergés directement sur le site de Framaform. D'accord. Voilà, on peut C'est avoir toi des qui as heures. spécifié les extensions ou c'est Ouais, c'est moi qui les ai spécifiés. Et après, on peut mettre des petits formulaires Ouais, de les ce type-là fameux où on va juger, comment ils vont appeler ça, des grilles dans le truc. ouais. Donc il y a plein de choses différentes, assez sympa. Cool. Voilà. Hop, et du coup, tac. On arrive sur la gestion du formulaire en elle-même. Donc pour la description, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un WYSIWYG, donc une interface. What you see is what you get. Voilà. Pour pouvoir le faire de manière un peu plus simple. Mais par contre, si on préfère jouer avec du HTML, il y a toujours moyen. Ensuite, on peut rajouter des fichiers attachés. Donc, par exemple, si on veut mettre un PDF pour que les personnes le lisent avant et remplissent un formulaire après, il y a moyen de le faire directement dans OK. l'interface. Une date d'expiration, parce que c'est pas la peine de garder indéfiniment un formulaire qui va être périmé au bout d'un moment. Ouais. On peut gérer si les résultats doivent être accessibles au public ou pas. Bon, par défaut, il est sur non, évidemment. Après, on peut le mettre comme modèle. Alors, j'ai l'impression que cette case, elle est un peu cochée n'importe comment. Les modèles que j'ai trouvés, c'est genre machin qui a fait son petit formulaire, il clique juste sur modèle et ça s'adapte à absolument rien du tout. Donc, du coup, personne ne doit l'utiliser, son modèle. Enfin, c'est un des trucs un peu bizarres. Voilà. Et après, on peut choisir un petit thème un peu sympa en fonction de ce qu'on veut. Moi, j'ai choisi celui-là, mais
il y a d'autres couleurs, on va dire. D'accord, donc ça c'est pour la configuration de, voilà. du formulaire. C'est ça, ça c'est le formulaire en général. Ouais. Et après, du coup, on va pouvoir attaquer vraiment le formulaire en soi. Ouais. Donc on a tous les champs qui vont être là. Mmh. Donc je crois que j'ai tout dit, okay. J'avais pas parlé du balisage, j'en parlerai les tout à l'heure. Les types de questions possibles, quoi. C'est ça. Enfin, plus que ça, parce qu'après on a d'autres choses, plus de style, de cohérence, de ce genre de trucs. D'accord. Qui vont apparaître aussi. Et aussi la mise en forme. Ouais, c'est ça. Moi, ce que j'ai fait là, par exemple, c'est que j'ai créé un groupe de champs. Ouais. Donc là, le groupe de champs, l'avantage, c'est que on peut regrouper donc dans la cohérence, dans le. Hop, je vais repasser. Tic. Je vais repasser là. Typiquement, ici, on a un groupe en fait qui va être constitué de tout ça jusque là. Ouais. Donc ça va mettre un peu en page déjà une partie mmh. des trucs. Mmh. Quand on clique sur le petit crayon, en fait on a un petit volet qui apparaît en dessous à chaque fois. Et en gros on a le champ qui apparaît et après on a différents onglets, donc propriétés, affichage, validation. Mmh. Et on va pouvoir mettre tout ce qu'on veut dedans en fait. Donc le titre qui va apparaître visuellement. C'est le nom de ta question. Ouais voilà. On va la clé du formulaire, c'est un peu l'identifiant on va dire, si on veut l'utiliser derrière. Ouais. Donc ça, pour les résultats. Ouais, c'est ça. Ouais. Par expérience, je conseille pas mal de les modifier parce que ça devient assez rapidement n'importe quoi. Quand on crée un truc, il y a marqué. On va le faire tout de suite d'ailleurs. Hop, j'en rajoute un. Mm-hmm. Du coup, le champ du formulaire, c'est new avec un truc incompréhensible derrière, donc ça devient assez compliqué. Qui est généré. Ouais. Ouais, c'est ça. Okay. Donc on peut mettre une valeur par défaut, on peut mettre une petite description s'il y a besoin de l'information supplémentaire sur la question. Ouais. Pour l'affichage, il y a plusieurs informations. Alors... Et puis tu as un concept de validation, ça c'est ce dont tu nous parlais tout à l'heure, j'imagine, pour voilà. s'assurer que ce que l'utilisateur remplit correspond bien à ce que tu attends. C'est ça. Donc là, typiquement, pour ces champs-là, tu peux mettre le nombre maximal de caractères et savoir s'il est requis et s'il est unique ou pas. Donc typiquement, si je voulais que tous les gens aient des pseudos différents. Ah, cool! Je peux cliquer là-dessus. Ça, je crois, à peu de choses près, je crois qu'on peut mettre le unique sur tous les champs qui contiennent du texte ou des choses comme ça. Genre courriel, tout ça, ce genre de trucs, on peut les mettre dedans. Voilà, alors là, il y a des trucs assez sympas pour les dates. Tac. Pour l'affichage, on peut... C'est affichage, validation. Voilà, c'est ça. On peut choisir l'écart pour les années, le nombre d'années qu'on affiche, en fait. Et alors du coup il y a un format particulier à saisir mais en gros par défaut en fait je crois qu'il met -2 +2 donc ouais. En fait ça prend les deux prochaines années avec les deux années précédentes et après on peut le changer comme on veut juste en modifiant ces champs là donc ça c'est pas mal. Donc voilà, du coup bah après il y a tout ce qui est les listes à mettre. Donc là pareil on rajoute des éléments à chaque fois juste avec des petits plus comme ça. Pareil, c'est du manuel si on veut le mettre... D'accord, si on veut des clés différentes. Voilà, avec les clés. Ok. Ensuite, pour ce qui est des champs de nombres, donc là, typiquement, ça ressemble pareil, sauf qu'on a ce genre de choses. Donc, typiquement, position après la virgule, etc., on peut l'avoir. La virgule qui représente les milliers, puis on peut faire ça pour les décimales, sachant qu'on peut changer. On peut choisir aussi un intervalle maximum et minimum comme valeur. Et analyse, c'était quoi? C'est tout pour essayer de paramétrer, pour essayer de cadrer le formulaire à l'avance pour éviter de s'embêter à tout traiter après derrière. C'est très bien. Pour l'avoir utilisé, on va dire, avec du grand public qui a tendance à faire un peu n'importe quoi par expérience les années précédentes, c'était très très pratique. Après, on a les champs cachés. Donc, pour ceux qui ont fait un peu de web, ça doit rappeler quelque chose. En gros, l'idée, c'est de faire passer une information comme si quelqu'un l'avait rentrée, alors que la personne ne l'a pas rentrée. T'as la possibilité, après le fait d'avoir communiqué le formulaire, de le modifier ? Oui, tu as la possibilité, ouais. Et il te prévient, attention, il peut y avoir des problèmes, tout ça, mais t'as moyen de le faire. Donc, c'est une bonne idée, le coup de la version. Effectivement. Donc après, du coup, il y a tout ce qui est champ d'importation de documents. Ouais. Là, on peut choisir où est-ce qu'on le stocke. Et là, l'avantage, c'est que tu posais la question tout à l'heure, c'est qu'on va pouvoir choisir les extensions acceptées, en gros. Ouais. Et on peut en rajouter en plus, il y en a qui sont pas forcément... Qui sont pas proposés, c'est pas juste... top, ok. Et après, ça c'est plutôt pas mal, c'est assez complet comme truc, et surtout il n'y a pas besoin de s'embêter avec des comment ça s'appelle, des boutons radio, des machins comme ça, tout ce qui est ce qu'ils appellent les grilles en fait à cet endroit-là.
Ça, c'est cool. C'est des trucs assez. Des questions. Ah, ouais, d'accord. Pour pas avoir d'influence sur les unes C'est sur les ça. autres. Ok. Donc il est ultra complet. Et les options, du coup, on va avoir tout ce qui est bah, en gros les deux axes, donc horizontaux, verticaux, qui vont permettre de tout paramétrer. Donc c'est un truc qui est vachement bien foutu. Plein plein d'options différentes. C'est ultra ultra pratique. Ah, chouette. Donc les options, c'est les ré... c'est ce qu'il y a en haut. Les questions, c'est ce qu'il y a sur la gauche. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc voilà. Et après, si on a envie de ne pas avoir un énorme formulaire sur une seule page, on peut, il y a la possibilité de faire un saut de page. Donc là, en gros, simplement, il y aura un bouton à la fin du formulaire qui dit bah, suivant, ou passer à l'étape suivante du formulaire. Et du coup, le dernier, ça va être les checkbox. Donc bah, là, on va avoir, comme tout à l'heure, les options, donc les Possibilité d'en différents choisir éléments qu'on va plusieurs. pouvoir mettre dedans. Ouais. Et après, voilà, peu d'options pour le coup, parce que c'est quand même un truc très basique. Donc ça, c'est le formulaire de base. On y va comme un bourrin, les gens remplissent tout ou ce qu'ils veulent remplir. Et après, on peut faire un truc un peu plus subtil parce que sur les gros formulaires, bah, il y a peut-être des trucs qui ne vont pas concerner forcément tout le monde. Donc Ouais, l'idée, faire un c'est parcours, quoi. de faire ce qu'ils appellent des champs conditionnels. Et du coup, ça se présente comme ça. Ça se présente comme ça. On va avoir des si alors à chaque fois qu'ils vont apparaître. Dans la première partie, on va avoir ben, dans les conditions, quel champ on va regarder. Donc là, par exemple, je lui ai dit que je veux le champ. Alors, il l'a pris, je suis. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris l'identifiant. Il a pris donc le champ où on disait humain, robot ou intelligence artificielle. Je lui dis que si ce champ-là, il est coché sur un humain, à ce moment-là, je faisais apparaître. Le groupe engagement dans le formulaire. D'accord. Donc si on regarde, hop, si on regarde là-dedans, là, par exemple, je clique sur robot, Il se passe rien. j'ai juste compétences qui apparaissent directement. Et si je clique sur un humain, là, j'ai engagement qui apparaît avec tout D'accord. ce qu'on avait mis. Ok, donc Et ça, c'est. tu peux créer un parcours complètement personnalisé en fonction des réponses. C'est ça. Bon, on va passer énormément de temps à faire le formulaire, évidemment. Mais ça marche assez bien. Là, typiquement, la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était pour faire les inscriptions pour le Noël du Pays de la Découverte. Et en gros, l'idée, c'était bah, en fonction de si les gens annoncent qu'ils vont arriver avec un, deux ou trois enfants, ça va pas forcément être la même chose. Typiquement, on a vu qu'on est assez contraint en termes d'espace dans le lieu. On avait contraint à ce qu'il y ait max deux accompagnateurs. Et que si la personne arrive avec un enfant, il y a un seul accompagnateur obligé. Donc du coup, en fait, en fonction de combien on mettait, de combien la personne disait qu'elle avait d'enfants, ben, ça ouvrait un ou deux accompagnateurs, plus le nombre d'enfants qu'il fallait. Alors, est-ce que tu sais si, justement, en parlant de gros formulaires, il y a la possibilité d'avoir un formulaire avec deux validations? Typiquement, pour pallier au fait que les gens, ça les saoule les formulaires de 15 bornes de long, maintenant il y a des formulaires où en fait tu vas répondre aux premières questions qui sont pas très compliquées et ça va très vite. Et tu vas avoir deux options. Je m'arrête là, je valide et vous me laissez tranquille, ou je vais plus loin dans le formulaire. Alors, j'ai pas vu de truc qui est clairement orienté comme ça, mais peut-être qu'en simplement en mettant. Bah, tu peux le faire avec les champs conditionnels, c'est ça, Oui, ça je me dis, mais je voulais savoir s'il y avait un truc. oui. Non, j'ai pas vu de truc particulier comme ça, non. D'accord. Non, non, non. Alors, ouais, je voulais tester, voir si on pouvait changer le champ caché. Je Ouais. posais la question tout à Ah, l'heure. en fonction d'une réponse à. Ah, Ouais. d'accord. Mais par exemple, si je suis un robot. Est-ce que je peux changer? Alors c'était année. Définir Ah, A. définir A. Ah, Ah. ouais, d'accord. Donc en gros, tu peux, okay, tu peux aussi, en fonction d'une réponse, ou de plusieurs réponses d'ailleurs, parce que je vois que tu peux mettre un plus, Oui, tu peux même mettre tu peux mettre plusieurs plusieurs conditions. conditions. Ouais. Donc tu peux mettre, ok, donc dans ton formulaire, tu peux mettre l'intelligence, un peu d'intelligence, Oui, c'est ça. et pas attendre d'avoir à le faire à l'analyse. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre sous la main du coup? Alors, en gros, il y a aussi tout ce qui est confirmation.
Donc en gros, tout ce qui est mail de confirmation, donc en gros, la personne rentre un mail par exemple, et on va pouvoir lui dire, ok, ben je veux que lui envoyer un message qu'on va pouvoir choisir à cette adresse mail là pour lui dire, ok, ça c'est bon, c'est validé, on peut mettre plein d'informations dedans. Ok, donc moi ce que j'avais utilisé c'était ça, et ça en gros c'est ce qui va permettre de gérer tout ce qui est les échanges de mails qu'il va y avoir après. Donc typiquement le mail standard de ok c'est bon, le formulaire est passé, le truc de ok le formulaire est passé mais par contre faut que tu confirmes, un peu comme quand on s'inscrit sur des sites, il faut valider l'inscription, un peu dans ce style là donc quand on va dans les mails, hop, donc là typiquement hop, je prends email, un des champs qu'on va utiliser comme l'adresse mail de destination. Et du coup, on va pouvoir le personnaliser complètement l'email. Ça, c'est assez cool. Et à chaque fois, tu peux choisir un champ du formulaire. Okay. Ouais, c'est ça. Et là, on peut s'amuser à personnaliser le contenu du mail. On a plein de commandes en fait, qui permettent de récupérer des informations du formulaire et les intégrer dans le mail directement. Donc ça, c'est génial parce qu'on peut faire « bonjour machin » qui est rentré dans son formulaire. Ouais. On peut vraiment au détail en fait mettre les différentes informations, et il y a une petite doc pour expliquer qu'est-ce qu'on peut utiliser en fait. Donc ça c'est assez cool. Alors il y a la plonge qui nous dit qu'il tient à nous dire que c'est super maniable sur mobile à condition de sortir du dernier champ pour qu'il vérifie la condition de la valeur. Ouais. Voilà, et après les résultats, et ça c'est très bien foutu. Ouais. Parce qu'il y a aussi des stats qu'on peut avoir dessus. Donc voilà, du coup, on a toutes les entrées qui apparaissent comme ça sur la première page, on va dire. Ouais. Et après, on va pouvoir regarder différents trucs, genre analyse avec les différents éléments. Donc, d'accord. Il y a trois humains. Trois humains, deux équipes techniques et un service de mise à jour. Ok. Voilà, avec des stats à chaque fois dessus sur tous les différents éléments. Alors, il y a le petit défaut, c'est que pour certains trucs que moi je cherchais à faire, en fait, on peut pas choisir les paramètres à mettre dans les camemberts et tout. Mais ouais, tu vois, ça reste quand même. Quand même pas mal. Quand même pas mal de trucs possibles, ouais. Et tu sais ça, tu peux le mettre dans le mail après. Ok. Ouais. Voilà. Et après, quand on veut faire des vrais stats et s'amuser un petit peu avec. Ouais. On va pouvoir faire téléchargement directement, donc en CSV ou en fichier Excel pour ceux qui préfèrent, et paramétrer des petits trucs comme ça pour les séparations, tout ça, quoi. D'accord. T'as des exemples ? Tu t'as parlé là de formulaire pour les inscriptions à Noël. T'as d'autres cas où Ouais. Donc en gros, on est sur sur les multi visuels, ouais. Machin, tout ça, la description en expliquant le principe, tout ça, parce que c'était un peu compliqué. Et après, du coup, là, il y a que ça dans le formulaire. Mm-hmm. Donc, on peut choisir le choix d'horaire, machin, tout ça. Et quand on clique sur un enfant, tac, mm-hmm. Du coup, j'ai parent, le parent qui apparaît avec nom, prénom, email. Et du coup, l'enfant qui apparaît. D'accord. S'il y en a deux, tac, du coup là j'ai les deux parents qui apparaissent. Mm-hmm. Alors le deuxième a pas besoin d'email parce que j'ai juste besoin d'un seul email. Mm-hmm. Et après du coup il y a les deux enfants qui apparaissent. D'accord. Sachant que du coup le deuxième parent est pas obligatoire, donc il peut y en avoir qu'un seul quand même. Mm-hmm. Et du coup ça va jusqu'à 4. Donc 4 ça change absolument pas les parents. Par contre les enfants, du coup je me retrouve avec 4 blocs à chaque fois. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Emilien d'avoir préparé cette présentation et d'avoir pris le temps de nous montrer Framaforms et derrière YakForms. Prenez soin de vous, prenez le temps d'aller manger, et puis on se retrouve très bientôt, au pire mardi à 18h. Allez, salut tout le monde, salut Emilien, salut, ciao. Salut.